Bonjour, je m'appelle Caroline Salomé, je suis professeure d'économie gestion commerciale au lycée du Nordover à Grande-Synthe et coordonnatrice du BTS CCST, Conseil et commercialisation de solutions techniques. Pour accéder à notre formation, l'étudiant doit être titulaire d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel dans le domaine industriel ou dans le domaine tertiaire. Je suis actuellement en deuxième année de BTS CCST au lycée du Nordover. Avant ça, j'étais en licence économie et gestion à l'ULCO. Donc, je suis aussi actuellement en BTS CCST au lycée du Nordover. Juste avant, j'ai effectué un bac STMG, spécialité mercatique également au lycée du Nordover. L'étudiant qui intègre notre formation conseille et vend des solutions techniques à une clientèle de professionnels ou de particuliers, en face à face ou à distance. Il peut exercer son activité dans des entreprises industrielles, chez des prestataires de services ou chez des négociants. Est-ce que j'avais envie d'avoir des choses concrètes, d'être sur le terrain directement en fait ? C'était pour approfondir mes connaissances au niveau de la vente et pour plus tard devenir commercial dans l'automobile. L'étudiant qui intègre notre formation profitera de l'acquisition d'une double compétence, à la fois commerciale et technique, qu'il pourra mettre en pratique lors de ses stages en entreprise qui auront une durée de 14 à 16 semaines. J'ai trouvé mon stage à Westhawk Automobile, donc dans une concession automobile à Dunkerque. Donc j'étais dans la marque Kia, j'étais avec un tuteur que je connaissais du coup. Donc ça a été très simple de trouver un stage pour moi. Moi aussi facilement, j'ai été à Renault-Saint-Omer et ils m'ont tout de suite prise. Les atouts de notre formation sont nombreux. Nous avons un taux de réussite élevé, 98% sur une période de 4 ans. Nos élèves profitent d'un partage de compétences continuel car les élèves sont originaires de formations diverses, générales, professionnelles ou technologiques. Nous les faisons participer à des ateliers qui sont organisés par des professionnels sur la connaissance de soi et des ateliers sur la création d'entreprises. Il m'a demandé de vous dire que il appréciait, hein, parce qu'on voit que vous êtes un peu creusé la tête quand même, que ce soit là-dessus ou sur la gestion de projet, donc on voit bien que vous avez quand même un petit peu déjà cherché. On ne s'attendait pas notamment à ce qu'on nous sorte le PMR par exemple, donc c'est bien. Si vous souhaitez intégrer notre formation, je vous donne rendez-vous sur Parcoursup à partir du 21 janvier pour déposer votre candidature. J'envisage d'être agent immobilier. BTS, il m'a conforté dans mes choix. Moi, ce serait commercial dans l'automobile.